l'écran et à la maison, Franck Dubosc est un papa. Ce mercredi 12 avril sort la comédie 10 jours encore sans maman. L'acteur de 59 ans y joue un père de famille qui se retrouve seul avec ses 4 enfants. Dans la vraie vie, il en a que 2, Raphaël et Milan, âgés de 10 et 13 ans. Avec eux, Franck Dubosc est vite dépassé lorsque sa femme Danielle n'est pas là. Il a également du mal à exercer son autorité parentale. Il m'appelle frère, a-t-il notamment révélé dans une interview à écouter ce dimanche 9 avril, sur RFM, dans l'émission Une heure avec, Edon Galla. FR vous propose d'écouter un extrait en exclusivité. Franck Dubosc n'accepte pas de se faire appeler ainsi. Dans les actes également, ses enfants n'hésitent pas à se comporter comme avec des amis. Quand je vais le chercher au foot, il y a tous les copains qui me tapent dans la main. Mes fils aussi me font un check, a expliqué l'acteur et humoriste français, au micro de Bernard Montiel. Conscient d'être parfois très chiant, pas sympa avec eux, Franck Dubosc semble bien décidé à vouloir lâcher du lest sur certaines petites habitudes prises par ses deux garçons. Franck Dubosc et son épouse complice pour une rare sortie en couple. Franck Dubosc bientôt de retour sur scène. Sur RFM, Franck Dubosc a été interrogé sur un éventuel projet d'un nouveau spectacle humoristique. Si l'idée semble lui trotter dans la tête, la présence de ses fils est une donnée qui entre en compte dans sa réflexion. Le père de famille veut les voir grandir, et craint que ses absences à répétition, en raison de contraintes professionnelles, ne viennent que renforcer cette culpabilité de partir déjà bien ancrée en lui. Reste que pour le moment, Raphaël, Milan et Daniel ne lui en tiennent pas rigueur. Franck Dubosc sait très bien rattraper le temps perdu auprès des siens, en maintenant en place des petits rituels familiaux qui font le bonheur de sa petite tribu. L'intégralité de l'interview de Franck Dubosc est à découvrir ce dimanche 9 avril, dès 12h, dans Une heure avec, une émission présentée par Bernard Montiel. Crédit photo, capture d'écran RFM.